Le metteur en scène récompensé à de nombreuses reprises revient sur son expérience aux Grosses Têtes, qui ne lui a pas laissé un très bon souvenir. Un mea culpa rare. Chaque jour de la semaine, et en best-of le week-end, Laurent Ruquier anime sur RTL les Grosses Têtes. Une émission culte, qui est présente depuis plusieurs dizaines d'années sur l'antenne de la radio au logo rouge, et qui parle d'actualité générale sur fond de questions et de gags en tout genre. Jean-Luc Moreau a eu la chance d'y participer lors du lancement de la nouvelle formule, initiée avec le Transfuge d'Europe 1, mais n'est pas resté très longtemps malgré sa complicité avec l'animateur. Je suis nul, Jean-Luc Moreau parle sans filtre de son départ des Grosses Têtes interrogé sur le sujet par Jordan Deluxe pour son émission chez Jordan. Jean-Luc Moreau s'explique sur les raisons qui l'ont te poussé à abandonner son siège de sociétaire. Je suis nul, je lui ai dit à Laurent oh, j'aimerais bien être un peu dans l'émission, mais j'ai pas l'esprit. Si est-moi qui le dit. S'il n'y a pas de caméra et de micro, là je m'amuse, mais dès qu'il y a une pression, ça me fout le trac et je suis pas du tout inventif. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui comme ça arrivent à fuser, mais si est-ce pas ma cam, donc j'ai abandonné. Une amitié affirmée avec Laurent Ruquier pourtant, Jean-Luc Moreau est un habitué de l'humour. Il a ainsi occupé un des sièges dans le jury de On ne demande qu'à en rire jusqu'en 2013, je regrettais de pas la faire tout le temps car on était bien payé. Il n'a cependant pas cherché à recontacter certaines des anciennes gloires du programme, se contentant surtout de se concentrer sur ceux qui avaient de l'avenir. Entre-temps, il a également mis en scène plus de 85 pièces, dont beaucoup d'entre elles ont été récompensées ou ont eu un certain succès, notamment le Dîner de cons de Francis Weber en 2010, ou encore Petits crimes conjugaux en 2016, si est-il l'expérience de l'amitié avec Laurent, explique-t-il, puisqu'il a également monté une pièce avec l'animateur de France 2. Retrouvez les intégrales de chez Jordan du lundi au vendredi sur C8 à 9h10. À lire aussi Philippe l'a pas digéré, Olivier Lejeune s'exprime sur son éviction des Grosses Têtes.